Coucou, c'est Mimi, et ce n'est pas Fab, puisqu'aujourd'hui encore, je suis en solo sur le Boys Club, mais je suis sûre que Fab vous embrasse, il a juste pas pu être là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de The Boys Club, le podcast de Mademoiselle sur la masculinité, où on reçoit des hommes qui nous parlent de leur rapport à leur genre, et comme depuis quelques épisodes maintenant, je suis avec un anonyme, donc un mec que je ne connais pas, et que vous ne connaissez probablement pas non plus, qui a candidaté par mail pour venir causer dans The Boys Club. Si jamais toi ou un mec que tu connais veut faire pareil, il peut aller dans la description et il y a tout expliqué. C'est une marche à suivre très simple de type envoie-moi un mail et après on cause. Mais il faut juste pouvoir venir à Paris car les podcasts par Skype, c'est un petit peu chiant. Donc voilà, on va parler avec un jeune homme, un illustre inconnu. Je suis avec Thibaut. Salut Thibaut. Bonjour Mimi. Comment vas-tu? Ça va. Un peu stressé? Un peu. Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, genre âge, à peu près où t'habites, ouais. Comme tu veux? Alors, je suis Thibaut, je suis breton et j'ai 22 ans cette année. Je suis quelqu'un qui a fait des études, donc j'ai fait un DUT, un peu dans ce qui est chimie et procédés. Et là, je suis en reformation. Enfin, je vais partir au Québec pour changer de formation parce que voilà, je commence un peu plus à trouver ma voie. Et tu vas faire quoi du coup? Je vais partir dans le forestier. Pour peut-être faire garde forestier, je pars avec un ami. Ok, voilà. Il y a l'air d'avoir des belles forêts au Québec. Quelques belles. Quelques-unes, ouais. Alors Thibaut, pourquoi tu as candidaté à The Boys Club? Un peu parce que j'avais aussi envie de donner mon avis, que je voyais pas beaucoup de personnes comme moi. Donc, c'est-à-dire, je suis une personne qu'on appelle une personne zèbre, ou surdouée, ou personne à haut potentiel. Et en fait, je me disais que donner mon avis là-dessus, ce serait pas mal. Voilà. Ok, alors on va commencer là-dessus du coup. Ça veut dire quoi être zèbre? Qu'est-ce que ça veut dire être zèbre? C'est ce qu'on appelle une personne qui va être un peu hypersensible. Qui va fonctionner avec une mentalité en arborescence. Et il y a plusieurs caractéristiques. C'est des personnes qui sont pas comme les autres, qui fonctionnent pas comme les autres, qui réfléchissent plus vite, mais qui n'ont pas plus de quantité d'intellectuels que les autres. C'est juste de la mentalité qualitative par rapport à la mentalité quantitative. Contrairement à quelqu'un qui peut absorber beaucoup de connaissances et que là, en fait, c'est plus qui se rapproche de quelqu'un d'intellectuel. Ok, donc ça veut pas dire que t'es... Parce que donc, quand on dit surdoué, on pense à un genre de petit génie des maths qui passe son bac à 14 ans. C'est pas forcément ça, ton parcours? C'est pas forcément ça. Ça peut. On a... En fait, ce qui se rapproche de surdoué, c'est personne donc, du coup, qui a beaucoup de potentiel ou haut potentiel. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on est petit. C'est que jusqu'à la primaire, c'est les mains dans les poches, on est en avance sur tout le monde, tout va bien. Et arrivé au collège, c'est un peu la catastrophe parce que là, on comprend plus ce qu'on nous demande. Les raisonnements sont trop simples. On a un décalage par rapport aux autres. Et du coup, voilà, en fait, le mot surdoué n'est pas adapté à ça. Ok. Du coup, t'étais comment toi quand t'étais petit? Comment j'étais? J'étais un petit binoclar qui aimait pas le foot et qui était plutôt bon à l'école. J'ai été dans des classes assez petites parce que même si j'étais dans une plutôt grande ville du sud de la Bretagne, on avait une classe bilingue et du coup, les années faisant, il y avait plus ou moins un nombre de jeunes, mais c'est vrai que j'étais dans une classe de 28 personnes, je crois 28 enfants, mais de différents niveaux en fait. Ok. Quand tu dis bilingue, question de meuf qui n'est pas bretonne, ok. Est-ce que c'est bilingue français-breton? Oui. Ok. C'est-à-dire que j'avais l'histoire géo et une autre matière en breton. Et du breton, tout simplement. Donc, tu parles breton? Je ne parle plus breton, parce que j'ai malheureusement tout oublié, je n'ai pas suivi, mais j'aimerais bien m'y remettre quand même un jour. Quand tu seras au Québec, pour te rappeler. Ce sera bien là-bas. Racines. Ok, donc pas très foot, plutôt scolaire. Ouais. Est-ce que t'avais des potes? J'avais un pote. Et des filles potes. Ok. Donc, il était comment ton pote? Un peu comme moi. Binoclar. Parfois plus intelligent que moi.
Et c'est vrai qu'on avait à peu près les mêmes délires, à peu près les mêmes trucs. Mais lui, contrairement à moi, aimait bien le foot et tout ça. Donc du coup, il s'entendait beaucoup plus avec les autres garçons. Mais après, c'est vrai qu'on était un petit groupe, donc du même âge. On devait être 6 ou 7, un peu plus, ouais. Donc principalement 2 garçons, 3 garçons parfois, et 5 filles, je crois. Ok. Elles étaient comment tes potes filles? Elles étaient certaines, ce qu'on appelle des garçons manqués. Mm-hmm. C'était 2 filles avec qui je m'entendais vachement bien, qui avaient voilà, les cheveux courts, qui aimaient le foot aussi, qui aimaient bien... voilà, qui me ressemblait à moi. Et en fait, c'est vrai que petit, j'ai jamais considéré le genre fille-garçon comme quelque chose de différent. Pour moi, on était tous à peu près pareil. C'est juste que, voilà, on faisait pas pipi comme les autres. Certains assis, certains debout, voilà. Comment c'était avec, du coup, les autres garçons, ceux qui étaient pas ton pote, ceux qui aimaient bien jouer au foot et qui étaient peut-être un peu plus le modèle du petit garçon, comme on l'imagine, qui est un peu turbulent et tout. C'était quoi tes relations avec ces mecs-là? Nous restons distantes parce que je comprenais pas ce qu'il voulait toujours. Je me souviens que si j'avais pas joué au foot tout le temps, c'était parce que moi ça m'énervait, pas l'esprit de compétition, mais déjà le jeu m'énervait par rapport à toute la publicité qu'il y avait et tout ça. Enfin, l'engouement un peu débile autour de juste un jeu qui est un jeu. Et c'est vrai que ces garçons-là, je m'entendais avec certains qui étaient un peu intéressé par d'autres choses, les cartes Pokémon, les machins, les Diddle. Team Diddle. Oui, j'ai eu une petite période Diddle quand ma grande sœur l'a eu. Et j'ai encore le carnet. On avait fait un portfolio avec lequel il y en avait plein et on les collectionnait avec ma sœur. Mais ma sœur en a beaucoup plus que moi. Et c'est vrai que ouais, ces garçons-là, je me rappelle qu'on n'était pas super potes. Moi, j'étais pas super pote avec eux, mais quand je m'ennuyais, j'allais de temps en temps faire un peu de foot, quoi. Ok, il n'y avait pas de rejet ni de ta part ni de la leur, c'était pas hostile, quoi. Non, pas à cette période-là. Ok. Et au niveau de ta famille, ça se passait comment? Elle est comment ta famille déjà? Alors, j'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi. J'ai une petite sœur qui est décédée à l'âge de 1 jour. Elle est née un peu trop tôt. J'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi, qui arrivait du coup juste après cette petite sœur. Et j'ai un demi-frère qui a 8 ans de plus de moi. De moins. Donc là, il est ado, quoi. Il a 14 ans. Ouais, voilà. À peu près. Okay. Il est né en 2005, donc ouais, c'est ça. Et du coup, mon père s'est séparé de ma mère quand j'avais 9 ans. Donc ma sœur en avait 11, elle était au collège. Mon petit frère en avait 6. Et du coup... il est parti avec ma belle-mère à cette période-là et je suis resté avec ma mère dans ma maison d'enfance pendant un moment jusqu'à ce que mon père trouve un appart et qu'on machine et voilà, la garde alternée classique. Okay. Tu l'as vécu comment le divorce du coup? Mal. Sur le coup, j'ai beaucoup pleuré parce que j'avais l'impression d'être le seul à avoir compris. Je me souviens qu'on était à table et que... on voulait aller jouer et papa et maman ont dit « Bon, maintenant, vous restez assis, on va vous dire quelque chose. » Mais on n'avait pas trop compris. Et mon petit frère est un peu tétanisé. Il a fini par pleurer quand je me suis mis à pleurer. Ma sœur a un peu pleuré de son côté. Mais c'est vrai que j'ai été un peu celui qui a le plus exprimé ce qui s'était passé. Et tes parents, ils ont réagi comment au fait que tu sois très expressif dans... cette forme de détresse et de tristesse de les voir se séparer? Assez mal. Je crois que mon père m'a engueulé parce que je suis parti de table et qu'ils n'avaient pas fini de parler là-dessus. Ma mère était chamboulée parce que ça faisait déjà plusieurs fois qu'elle pleurait pendant les vacances. C'est parce que c'était à la fin des grandes vacances, juste avant de rentrer en CM1, je crois, ou CM2. Et c'est vrai que depuis, ça a toujours été compliqué au niveau de mon père de comprendre que moi, j'étais plus sensible. Est-ce que ton père, c'est genre stoïque? Ouais. Ok. Très stoïque. J'ai même été surpris quand j'étais petit parce que je le voyais presque jamais sourire. Et puis on en a parlé un jour, c'est qu'il il me disait qu'au final, lui, il n'aimait pas sourire aux gens qu'il ne connaissait pas parce que ça ne lui servait à rien. Parce que
il trouvait pas ça utile de sourire à des gens qu'il ne connaît pas forcément, et du coup il restait quand même très stoïque, très stérile un peu au début. Mais c'est vrai que l'une des premières fois que j'ai vu sourire, c'était quand il y avait des amis autour et rire, et ça m'avait surpris quoi. J'étais waouh, mon père il sourit et il rigole, mon dieu. Et ouais, c'est vrai que après ça, j'ai eu pas mal de moments où je faisais des crises d'angoisse, donc arrivé au collège. Parce qu'au collège, j'ai eu des soucis avec les autres enfants. Et c'est vrai que j'ai fait des crises d'angoisse et ça en énervait mon père, à tel point qu'il finissait par m'engueuler alors que j'étais en pleurs dans mon lit. Donc voilà. T'as été harcelé au collège ? J'ai été harcelé au collège. En sixième, en fait, les garçons n'ont pas compris pourquoi j'étais ami avec des filles. Donc, arrivé au collège, je suis arrivé déjà dans une classe de 31 élèves, je crois. Je suis passé d'une petite classe où on était 12 de notre âge à faire du breton l'après-midi et en grande classe le matin, à une classe de 31 personnes du même âge que moi. Et là, ça a été... Il y avait 15 garçons, je crois que c'était ça, et 15 filles, enfin 16 avec moi, 16 garçons. Et c'est vrai que ouais, les garçons n'ont pas très bien compris pourquoi j'étais autant ami avec certaines filles, alors que certains avaient des bonnes relations. Et j'étais un peu à côté de la plaque, en fait. Je comprenais pas beaucoup ce qu'ils disaient. Parfois, je comprenais pas leur délire. Parfois, je posais des questions qu'ils comprenaient pas, et ce genre de choses. Donc c'est vraiment... Est-ce que les filles aussi, elles t'ont harcelé ou c'était vraiment les garçons ? Non, c'était que les gars. C'était plus du... comme j'avais pas beaucoup d'amis, au début, j'étais allé manger donc avec mes anciennes camarades de primaire. Et après, j'ai essayé d'aller manger avec eux. Et ils ont toujours essayé de me refuser. Enfin, j'étais plus en fait en train de les suivre à chaque fois et essayer de trouver ma place. Et eux me fuyaient dans un contre-écrit. Et il s'est manifesté comment ce harcèlement ? Il a fini par se manifester. Donc en sixième, ça allait, c'était quand même plusieurs rejets. Non, tu viens pas avec nous, mais parfois on supporte que tu sois avec nous. Donc certains gars, parce que je me souviens que je traînais avec quelques garçons, mais qui mangeaient pas dans le collège. Et c'est vrai que. J'ai pas été non plus si rejeté que ça en sixième. C'est beaucoup plus arrivé en cinquième et quatrième où le quatrième a été quand même un peu l'apothéose du truc où je suis tombé dans une classe avec un gars que je connaissais un petit peu avant. On avait fait un voyage scolaire avec lui et un autre gars avec le breton parce que j'ai continué à faire un peu de breton au collège. Et on est parti en Écosse et je me suis retrouvé dans sa chambre parce qu'on avait le même âge. Il avait essayé un peu de me bolos, où je sentais quand même qu'il m'aimait pas beaucoup, qu'il s'amusait un peu de m'embêter. Et je me suis retrouvé dans sa classe en quatrième et je me souviens en fait, j'ai un souvenir de lui où je débarque dans le couloir et en fait je le vois en face de moi avec les autres groupes d'élèves et d'un coup il comprend que j'arrive à comprendre, à lire en lui en fait que c'est quelqu'un qui est faible et qui se protège en martyrisant un peu les autres. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que c'est vraiment beaucoup plus parti sur quelque chose de où il m'avait trouvé des surnoms, les autres garçons n'arrivaient pas à prendre appui pour m'aider, enfin certains essayaient de m'aider en essayant de comprendre quand même que c'était pas cool. Mais en fait, ils voyaient, s'ils ne répondaient pas comme l'autre, cet autre garçon, ils n'allaient pas pouvoir en fait, se faire accepter eux-mêmes. Ok, ouais, donc le gars, c'était un peu le chef de la mafia. Et c'est ça. Tu peux pas être si tu es du mauvais côté, il va t'ostraciser, même si ce n'est pas toi qui vises à la base. Quoi. Ouais. Okay. Et c'était un gars un peu grand, un petit peu épais, enfin, il n'était pas non plus gros, mais voilà. Et c'est vrai que je pense qu'il avait peur qu'on se moque de lui parce qu'il était différent de ce point de vue-là. Ok. Est-ce que t'en parlais à... Donc tu m'as dit que tu faisais des crises d'angoisse En sixième, ouais, beaucoup. Je sais pas. J'en ai parlé un peu avec ma mère. J'ai vu pas mal de psychologues. J'allais demander parce que bon,
faire des crises d'angoisse en sixième, c'est quand même un truc qui ne devrait pas arriver. Donc, c'est oui, un c'est bon sûr. Signal d'alarme de peut-être il faudrait s'en occuper. Mais je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas le réflexe de, d'emmener leur enfant chez les psys. Et vu que tu m'as dit que ton père, il était un peu en mode arrête de pleurer, ce qui n'est pas une bonne façon de gérer, je me demandais si ta mère, elle avait pris plus les devants pour essayer de trouver des solutions, quoi. Alors, malgré que mon père ait accepté que je... Enfin, ait mal accepté que je fasse des crises d'angoisse, parce qu'au final, il était minuit, il devait essayer de me calmer, il n'y arrivait pas, donc je pense qu'il était plus en galère. J'ai vu pas mal de psy, donc j'ai vu une en sixième, j'en ai vu une autre en cinquième, différente. J'en ai revu une plus tard, et c'est vrai qu'elles ont essayé de m'aider quand même à essayer de passer à autre chose. Et il y avait aussi le souci de ma belle-mère qui ne nous aimait pas. Qui a donc été la nouvelle compagne de ton père. La nouvelle compagne de mon père, que nous, on n'aimait pas. Parce que c'était quand même une personne qui était arrivée donc quand on a 9 ans et qu'on voit une autre personne qui a déjà un enfant avec son père, alors que de base il était toujours avec ta mère. Le timing n'est pas bon. C'est ça, c'est, oui. On n'est pas trop con, on se dit alors, il a déjà cet âge là, moi je sais, c'est à peu près 9 mois, vous foutez de ma gueule quand même. je suis pas très, très fort en maths encore, mais voilà. À mon avis, il y a une couille dans le potage. Et donc du coup, c'est vrai que ce demi-frère-là, au début, on a eu... Enfin, j'ai tendance plutôt à dire frère, mais je précise demi-frère, c'est plus simple. Oui, pour pas qu'on confonde avec le reste de ta famille, comprends bien. Et c'est vrai que il y a eu un moment où j'ai eu un peu de mal avec lui. Il y a eu un moment où j'ai voulu être super copain avec lui. Bon, il y avait quand même une certaine différence d'âge. Et j'ai failli lui péter les dents aussi quand j'étais... Attends, t'avais quel âge et il avait quel âge? Parce que là, dans ma tête, je visualise un bébé, donc je me dis, non, faut pas il avait... Alors, on a 8 ans d'écart. J'avais 11 ans parce que j'allais rentrer en 6e et on venait d'emménager dans une maison avec ma belle-mère. Donc, on venait de vivre, je sais pas, 6 mois, je crois, avec notre père dans un appartement. On garde alterné avec ma mère, toujours. Et... du coup, j'avais 11 ans, lui il a 8 ans de moins que moi. Ça fait qu'il avait 3-4 ans, quoi. Donc j'ai voulu le porter. J'ai pris par les en dessous des bras et j'ai monté les escaliers et on s'est cassé la gueule. Et j'ai essayé de faire en sorte qu'il tombe pas, mais il a planté ses dents dans la marche. Bon, ça va. Ok, t'as failli. Oui, j'ai failli lui. Par accident, lui, qu'est-ce qu'il a fait dedans. Oui, je l'ai pas frappé, je l'ai pas imaginé, je l'ai pas poussé. Non, parce qu'on a eu dans le Boys Club des histoires de frères qui se cognent sérieusement, tu vois, en grandissant. Mais je le faisais, mais avec mon autre frère. Quand même, il y a eu moins de différence d'âge. Ouais, il y a eu moins de différence d'âge. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore la marque dans les escaliers. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose. Parce qu'à chaque fois qu'elle monte les escaliers, elle les voit. Donc j'ai marqué le bois massif avec les dents de mon demi-frère. Propre. Du coup, comment ça se passe quand tu vas voir une psy en 6e et en 5e? Enfin, qu'est-ce qu'elle te raconte? Est-ce que tu arrives à lui parler du harcèlement que tu vis? Est-ce qu'elle met les mots dessus peut-être de... En fait, c'est du harcèlement et c'est pas normal, tu vois? Elle essaye. J'ai peu de souvenirs de cette période-là parce que mon cerveau a fait que j'efface les pires souvenirs. Mais c'est vrai que il y avait un peu cette aide de pourquoi ça va pas bien à l'école. Et petite note, c'est que mon père savait que j'étais une personne surdouée. Ok. Parce que t'avais été diagnostiqué? Non, j'ai été diagnostiqué il y a moins de 6 mois. Ok. Enfin. Mais il le savait parce qu'il connaît le sujet et qu'il a. C'est ça. Reconnu. C'est mon père est quand même une tête. On va pas se mentir. Il a plusieurs diplômes. Il a passé plusieurs diplômes après celui qu'il avait déjà eu. Il est un enseignant-chercheur. Il n'est pas enseignant-chercheur, mais il est enseignant en université, en même temps que d'être enseignant au lycée. Et c'est vrai qu'à un moment, il s'est douté de ça, parce que j'avais certaines caractéristiques qui fait que je me rapprochais des enfants surdoués. Mmh. Mais sauf qu'à l'époque, c'était, je ne sais pas, vers... 2000, entre les années. Ouais, dans le début des années 2000, c'était pas non plus la chose la plus récurrente. C'était vraiment, fallait être à fond dans les caractéristiques pour que les parents fassent un diagnostic, se disent, quelque chose. Et en fait, moi, la particularité, c'est que je le suis
pas tant que ça. C'est-à-dire que la définition de zèbre, parce que c'est pourquoi on utilise ce mot-là, c'est en fait par rapport aux autres équidés, c'est le seul équidé qui n'a pas été domestiqué par l'homme. Et la robe d'un zèbre, c'est vraiment elle est jamais identique, jamais elle sera identique. C'est chacun a ses particularités, c'est chaque rayure est différente. Ce qui fait qu'en fait, bah, c'est ça le souci en fait, c'est qu'on n'arrive jamais à savoir si t'es une personne surdouée au potentiel ou pas. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas une seule façon de l'être, quoi. Chacun va l'être à sa façon. À sa façon, selon de comment il a vécu, s'il a été plus ou moins aimé, voilà. Mm-hmm. Et du coup, c'est vrai que ça aurait pu être diagnostiqué plus tôt et peut-être m'aider un peu plus. Mais aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et le fait de le savoir, déjà, m'aide beaucoup pour certaines choses. Ok. À ce moment-là, du coup, dans cette période du collège qui était compliquée, est-ce que tu avais du positif dans ta vie? Est-ce que tu arrivais quand même à séparer un peu dans ta tête? Genre, il y a l'école où ça va pas, mais il y a tel et tel truc qui va bien dans ma vie personnelle? J'ai commencé les scouts à ce moment-là. Mon père m'y a inscrit pour essayer de me donner un autre cercle social qui pourrait m'aider. Lui, on avait fait un peu, mais c'était pas vraiment du scoutisme, c'était autre chose. Mais voilà, il était certain que cette base-là allait m'aider. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Il a dû me forcer un peu. Mais au final, aujourd'hui, je suis bien content d'y avoir été parce que c'est vraiment un endroit beaucoup plus bienveillant. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes pour le développement personnel et tout ça. Et c'est vrai que pour moi, qui étais dans un milieu où j'avais l'impression d'être toujours en compétition avec les autres garçons et n'arrivant pas à parler avec les autres filles de ma classe, enfin pas beaucoup, et ben c'est vrai que c'était bien. Ça m'a permis. Fais quoi quand on est scout ? Moi, j'ai jamais été scout. Fais quoi quand on est scout ? On campe dans la forêt, on fait des constructions, on apprend à se développer personnellement, donc à vivre un peu dans une micro-société où chacun en fait, va avoir un rôle. Donc déjà, chaque équipage ou chaque équipe va avoir des tâches différentes. Enfin, chacun enfant va avoir des tâches différentes rien qu'au sein de son équipe. On participe au service commun parce que c'est pas gratuit, mais c'est pas financé comme des colos, donc il n'y a personne pour faire à manger. Enfin, les chefs sont là pour nous aider, donc on fait à manger avec les chefs. On est plus ou moins aidé selon l'âge, la tranche d'âge bien sûr. On apprend aussi à vivre un peu de notre côté sur certains week-ends, on fait des réunions, et le but c'est quand même aussi de se développer autour de projets que nous jeunes ayons voté. Ok. T'as fait quoi par exemple comme projet qui était cool? J'ai fait un projet radeau, ça c'était cool, où on a porté notre cadre pour poser des tonneaux dessous à 7 ou 8 gamins de 11 à 14 ans, ce qui paraît impressionnant quand même pour des enfants de cet âge-là, avec des perches de plutôt 2 mètres. Et c'est vrai qu'on était déçus parce que le nôtre a cassé juste où on descendait. Non. Mais bon, on a pu quand même le faire parce que voilà, il y en avait d'autres. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai pu faire? Monter une tente déjà un week-end toutes les 3 semaines ou tous les mois, c'était déjà quand même une sacrée aventure pour des enfants de cet âge-là. De préparer à manger, de faire à manger sur feu, en autonomie, parce que le dimanche midi, dans le groupe dans lequel je suis, c'est vraiment beaucoup plus... voilà, le dimanche midi, vous êtes tranquille, vous allumez vos feux à partir de cette heure-là, vous faites votre vaisselle, vous faites mon machin, et puis on se retrouve à telle heure, et les chefs passent de temps en temps voir si tout va bien. C'est cool. C'était vraiment des moments où on s'amusait entre nous, on avait un petit délire de faire un peu la guerre et tout ça, que je trouvais intéressant par certains points, mais c'est vrai que j'avais tendance à tout voir et à essayer de tout comprendre en fait. J'étais un peu, ce qu'on peut dire, j'étais un peu un enfant éveillé par rapport aux autres. Et c'est vrai que moi je voyais le danger, je voyais le machin, je voyais tous les soucis qu'il pouvait y avoir. C'est pas pour autant que j'y participais pas, j'aimais bien. Mais je me suis retrouvé quand même à certains endroits
à faire certaines choses un peu dangereuses et à dire bon les gars c'est un peu moyen et puis les gars ouais non c'est bon vas-y. Dangereuse comment, genre grimper à des arbres trop haut, traverser une rivière pas safe ou... Ouais, traverser une rivière pas safe. Je sais que j'ai un ami qui a essayé de traverser la rivière sous le challenge des autres et qui s'est retrouvé au milieu de la rivière à faire oh non mon portail va mouler. Et il a traversé, touché l'autre côté et revenu, alors qu'il aurait pu très bien s'envaser et finir au fond. C'est vrai que moi, à ces moments-là, j'y pensais, mais il y a eu un moment où un garçon, on avait je sais pas, une grosse branche d'arbre de presque 2 mètres dans les mains, et le gars en face de lui l'a contredit, et il a voulu lui éclater la branche sur la tronche, et j'ai barré juste au-dessus, et la branche a pété sur mon bout de bois. C'est vrai qu'à ce moment-là, et potentiellement, j'aurais pu avoir quelqu'un s'il se fasse mal. Ouais, ok. En face de moi. Et donc là, il y avait des filles et des garçons chez les scouts. C'est ça. Mixte. C'est co-éduqué. Ok. Et t'as pas du tout retrouvé cette ambiance de compétition chelou qui te posait des soucis au collège, du coup? Un petit peu, mais c'était pas... c'était de la compétition dans le fait de partager des moments où une compétition dans le jeu où fallait juste essayer de gagner, contrairement au collège où fallait juste essayer d'être le meilleur garçon, celui qui est le plus fort, celui qui est le plus machin, celui qui écrase le plus les autres, alors que au scout c'était pas ça, beaucoup moins que dans les autres. Et c'est vrai que j'ai découvert un peu plus les filles sous un autre angle. J'allais y venir, on est quand même en deep puberté, en deep hormone en folie. Du coup, bon, au collège, tu me dis que tu... enfin, les garçons, ça, elles ne faisaient pas et les filles, tu n'arrivais pas trop à leur parler. Qu'est-ce qui se passe chez les scouts quand tu as vraiment beaucoup de gamins de 14 ans sous des tentes? Je me dis, ça doit quand même aller chafouiner, quoi. Un peu. C'est surtout, ça partait dans des petits délires de allez ce soir on rejoint les filles dans la tente, on se barre à telle heure et à 1h du matin. En fait on était tous en train de dormir alors qu'on avait dit qu'à 1h du matin on serait y allé. J'aime trop les plans quand t'es gosse où t'es là ouais on va faire nuit blanche pour aller faire tel truc, ouais, 22h tu dors. Non mais on restait quand même éveillé tard le soir à discuter de pas mal de trucs et beaucoup de sexualité. Alors, sexualité de garçon de 12 ans, donc avec des enfants de 14. Donc, quand t'as 11 ans, t'apprends pas mal de choses. Même au collège, je trouve que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Avec des autres garçons, à les écouter, c'est vrai que je pense que je savais presque toutes les catégories Hooper en arrivant à la fin de la cinquième par les autres, quoi. C'était okay. Quand même une grosse ouais, discussion. Parce que du coup, si t'as 22 ans, tu fais partie de ces premières générations qui avaient vraiment le porno. J'avais des copains qui commençaient à avoir un téléphone en cinquième. Moi, j'en ai eu un quatrième, ce qui me paraissait déjà très tôt. C'est vrai que certains ont eu en seconde encore sur ma génération. Après, aujourd'hui, quand on voit que certains enfants sortent... de CE2 avec le téléphone en main pour appeler maman pour lui dire c'est bon j'entre bien, bon ça fait bizarre, mais c'est vrai qu'on commençait à avoir accès au porno à ce moment là beaucoup plus que 5 ans plus tard, on va dire, enfin 5 ans plus tôt. Et pour revenir un peu sur les filles, c'est vrai que au scout je me suis retrouvé, alors on était 3 garçons du même âge, 3 filles du même âge, et ce sont des tranches d'âge de 3 ans. Donc du coup, j'ai commencé donc en 6e, et la fin de mes années jeunes, c'était à 17 ans. Okay. Donc j'ai fait 6 ans avec ces filles-là, et ces garçons-là. Oh my God. Qui sont aujourd'hui plus des amis avec qui j'ai passé des moments. C'est vrai que ça fait très longtemps que je les ai pas vus, mais c'est pas vraiment des amis, voilà. Et ces filles-là étaient, je précise bien, des petites pestes. Un peu à cette période-là. C'est vrai que j'avais un peu du mal avec elle. Je me suis retrouvé en 6e à être amoureux de la pire d'entre elles. Et la reine des abeilles. Voilà, c'est ça. Et je lui ai fait un petit machin, un petit cadeau, et c'est foutu de ma gueule, mais monumental. Non, la cruauté des adolescents, putain. C'est ça, ça a été la blague, elle, on a rien à faire. Et du coup, ça a été la blague pendant un petit moment. C'est vrai que j'étais pas forcément
j'étais pas la personne la plus reconnue dans le groupe, quoi. C'était, j'étais pas non plus vu un petit canard, mais voilà, j'étais pas le populaire. Okay. Donc c'était après c'était quand même des choses un peu pour rigoler, encore d'enfants qui se moquent entre eux, mais avec les chefs qui étaient autour et qui faisaient quand même très attention, ça finissait quand même par être, je vais pas dire fortifiant, mais ça a permis de créer un petit peu un caractère de beaucoup plus dur, je pense, qui m'a permis d'affronter beaucoup plus le collège et tout ça. Ok, ça t'a forgé un peu de faire ce genre de bagarre, mais de façon contrôlée avec du personnel qui va pas laisser le truc aller trop loin, quoi. Ouais, enfin du personnel. Des animateurs, des bénévoles. Des bénévoles. Okay. On est chef et bénévole. D'accord. Est-ce que ça fait la branlette entre potes autour du feu alors, chez les scouts? Alors. Obligé, je demande Thibaut. Dans ma tente, non, jamais ce n'est arrivé. Mais il y a une tente, je crois que j'étais en quatrième, donc dernière année de la tranche d'âge, j'ai 11-14 ans. Où les gars se sont fait choper par les chefs à faire « Ah tiens, regarde, ma bite, elle est plus grande !» Le moment gênant. C'est ça, et ils étaient donc des gamins de 14 ans en train de comparer leur pénis avec des enfants de 11 ans dans une tente. Enfin, 13 ans, parce que, bon, voilà, le début oui, de l'année. Oui, en soi, ils sont pas beaucoup plus vieux, hein, mais c'est vrai que t'as l'image mentale, tu fais « Yes !» Et c'est vrai qu'ils se sont retrouvés... un peu bon, au dépourvu, pris par les chefs, et les chefs en ont bien rigolé. Ok, mais à part ça, il n'y avait pas d'aspect un peu éducation à la sexualité ou vivre ensemble, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai côté team player, tu vois, genre on vit ensemble, on s'occupe de nous-mêmes, on apprend l'autonomie, donc je me dis, ça m'étonnerait pas s'il y avait un peu des points, ton corps change, ce n'est pas sale, tu vois. Non, mais on parlait de... Alors... Au niveau des chefs, ouais, il y avait un peu cette partie-là où il fallait quand même aborder la sexualité parce que, à un moment, tu vas faire 2 ou 3 semaines de camp avec des enfants de 11-14 ans. Bon, ça chauffe dans les méninges, les hormones sont en folie. Tu finis toujours par avoir des, soit chez les chefs, soit chez les jeunes, des enfants en fait qui vont des petites amourettes, des petits machins. Et c'est vrai que nous, à notre âge, il n'y avait pas ce côté bienveillant forcément. On discutait des filles, tout ça. On parlait de... pas forcément des filles avec qui on était, mais voilà, c'était un peu quand même... ouais, moi j'ai fait ça. Et je me suis retrouvé avec un garçon qui avait un an de plus que nous et qui était quand même bienveillant parce que ses parents sont très ouverts. Très, très ouverts sur tout. Mais c'est vrai que... Pour son âge, c'était nous, c'était impressionnant. On se disait, quoi, il a un an de plus que nous et il fait déjà tout ça. Mais ouais, je pense qu'à cet âge-là, il n'y a pas assez la bienveillance qu'aujourd'hui, peut-être certains enfants de cet âge-là ont. Et toi, du côté familial, t'as eu une... c'est quoi le rapport de tes parents à la sexualité? Est-ce qu'ils vous ont expliqué comment on fait les bébés? Ton corps change, les poils, tout ça, tu vois? Comment dire? Chez mon père, on n'en parlait jamais. Parce que y avait mon demi-frère qui avait 8 ans d'écart, donc il était vraiment vraiment tout petit quand ça commençait à être ça, donc on en a jamais parlé. Ouais, parce qu'après vous auriez pu en parler en privé, tu vois, t'es pas obligé de faire ça au dîner avec le poulet rôti en mode alors la bite. Tu peux avoir un moment privilégié avec ton père. Mais non, vraiment non. Je pense que mon père a assez fait confiance à ma mère sur ce qu'on disait, parce que du coup chez ma mère c'était alors. Qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine chez papa et ma belle-mère? Et du coup, on balançait un peu sur elle et on finissait par dériver sur la sexualité, on balançait des trucs, mais c'était beaucoup plus en rigolant, ce qui déjà dédramatisait les choses. Mm-hmm. Mais on a eu quelques conversations un peu... je pense que ma mère essayait de garder ça drôle pour éviter de tomber sur un sujet où c'est d'un coup... D'un seul, ça va être, les enfants, la première fois que vous le faites, on se protège et rien d'autre. Sinon, ça va pas le faire, sinon tu vas choper machin. Elle était déjà assez anxieuse et elle nous mettait déjà pas mal de choses assez compliquées dans la tête parce qu'elle travaille dans le milieu hospitalier. Mmh. Donc elle a refait une formation et est devenue diététicienne, mais en milieu hospitalier. Et c'est vrai que elle travaille en addictologie, ce qui n'est pas le meilleur service du monde. Elle a travaillé dans d'autres machins.
Et quant à ta maman qui te dit, bon, les enfants, pas trop de sucre, sinon vous allez finir obèse et vous allez devoir aller dans le service dans lequel je suis. Yes, merci maman. Super, du coup, je vais pas manger des Kinder aujourd'hui, trop bien. Non, voilà. Mais c'est vrai que chez papa, c'était... N'en discute pas. C'est... Sujet tabou, quoi. Ouais, un peu, ouais, c'était ça. Puis on n'était pas si à l'aise que ça. Notre père qui était quand même... pas très peu ouvert, mais qui avait l'air quand même fermé à certaines choses, qui laissait passer très peu d'émotions. Nous, on savait pas comment aborder les choses, et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément besoin. Alors, je me souviens de. J'avais l'image de mon père qui a apporté une boîte de capote à ma sœur en seconde parce qu'elle allait faire une soirée. Il n'était pas non plus. Il n'est pas débile parce qu'il sait, il voit, je pense, comment on a évolué là-dessus, et il se dit que si vraiment on savait pas quelque chose. Soit on lui aurait posé quelque chose, la question, soit il se serait rendu compte dans un de nos dialogues, tout ça. Ok. Mais je me souviens de ma sœur qui revient et qui fait papa, il m'a donné une boîte de capote. C'était gênant. C'est gênant, mais bon, ça peut être une petite gêne qui empêche un problème. Donc je comprends le côté genre, tiens, nous n'en parlerons plus jamais. Ouais, c'était un peu ça. C'était hop, c'est bon, vas-y, je l'ai fait, je me barre. J'ai fait mon rôle de daron, salut. Et oui, j'allais demander, est-ce que avec ta... ça se passe comment du coup avec ta sœur et ton frère, du coup pas ton demi-frère mais ta famille entre guillemets de base, en grandissant à tout ce moment-là où c'est compliqué pour toi à l'école, mais t'as les scouts où c'est cool et bah tu commences à devenir un jeune homme et tout, comment ça se passe à la maison? Alors c'était chez ma mère, donc on a quand même un assez grand jardin, 2100 mètres carrés, ce qui est pas mal quand même. Yes, la Bretagne vit. Voilà. Mais c'est vrai qu'on était assez contents d'être... Quand on était enfant, on était assez proches avec ma sœur. On a fait pas mal de conneries ensemble. Et quand mon petit frère est arrivé, j'aimais bien essayer d'aller jouer avec lui. Au début, j'étais pas très très content qu'il soit là. Ouais, j'ai vu une vidéo prise au caméscope par ma mère. Ouais, en train de nous filmer tous. Et en fait, on me voit en train d'essayer de lui enlever chaque papier qu'il prend dans les mains. Chaque objet qu'il le prend, je vais le ranger derrière et je lui arrache des mains. C'est vrai qu'on était un peu conflictuel. On est encore un peu conflictuel avec mon frère. Mais on s'en sort plutôt bien. Enfin, on s'aime plutôt bien. Je pense qu'on a ce côté-là de... on se comprend pas forcément quand l'un parle, même si parfois on a le même avis. Mais okay. Un peu comme avec mon père, où ça va être... mais qu'est-ce que tu dis? En fait, tu dis la même chose que moi, mais différemment. Mais du coup, je l'ai pas compris. Et du coup, ça gueule. Et c'est vrai que petit, il aimait pas que je vienne jouer avec lui. Il aimait bien jouer tout seul. Il me menaçait avec son éléphant qui pesait 2 tonnes. Un éléphant papo, que du plastique. Il était énorme. Il s'est me frapper avec. Et ma sœur s'est très vite sortie de la partie enfance. Parce que d'un coup, elle est rentrée au collège avec... bon, bah, papa et maman sont plus ensemble. Je vais toute seule avec maman, il va falloir que je fasse sa grande sœur. Ok. Donc, quand on a passé 6 mois dans une maison, enfin dans un appartement avec notre père, ça a été un peu ça, où elle s'est un peu occupée de nous, mais elle était quand même très retranchée dans sa chambre. Et moi, je me suis retrouvé avec mon petit frère à devoir faire le grand. À devoir faire le grand aussi à la maison avec ma mère, où il bah, fallait que je sois le deuxième, enfin pas le deuxième parent, mais un peu l'homme de la maison, alors que bon, j'avais 10 ans. C'était un peu compliqué et c'est vrai que mon frère et ma sœur ont une relation, ils sont beaucoup plus proches. Où ils ont été très proches pendant un moment. Après, je sais qu'aujourd'hui, je peux très bien me confier avec l'un ou l'autre pour discuter de certains sujets, pour parler de sentiments et tout ça. Jamais aucun souci. Mais c'est vrai que la complicité entre les deux est peut-être un petit peu plus forte qu'avec moi, entre moi et les deux. Ok. Est-ce que tu penses qu'ils sont zèbres aussi? Un des deux ou les deux? Je pense pas. Ok. Je pense que mon père l'est peut-être. Parce que c'est peut-être génétique. On n'est pas mais sûr. Ça, voilà, mais ça peut sauter des générations, comme ça peut ne jamais arriver chez certains enfants. Et c'est peut-être un peu pour ça que mon père est en fait très renfermé sur lui-même. C'est que pendant très longtemps, il a beaucoup ressenti les choses et il a fait « bon, c'est bon, maintenant, je vais tout passer par un filtre et plus rien ne rentre parce que sinon, en fait, ça me fait trop mal ». Ce qui fait que j'ai été un peu comme ça pendant un moment. Et aujourd'hui, ça a des difficultés, mais ça... T'es en train de lutter contre cette carapace pour être plus... Okay. J'essaie d'écouter un peu plus ce que je ressens, et parfois, c'est bizarre.
On va en parler. Juste, ok, du coup, on arrive au lycée. Tu m'as dit en off avant que malheureusement le harcèlement s'est pas arrêté au lycée. Donc comment ça se passe quand tu arrives en seconde et que peut-être tu vois c'est la chance de repartir du bon pied éventuellement avec des gens. Ce qui s'est passé un petit peu avant, c'est qu'en quatrième, donc du coup vraiment ce moment où c'était un peu chiant, je suis arrivé devant mon père. Vraiment en pleurs et je lui ai dit bon maintenant je veux changer de collège, c'est horrible, les gens sont vraiment horribles avec moi. Et mon père a quand même essayé de faire valoir le fait que j'ai été harcelé dans ce collège là et ce collège n'a jamais retenu que j'étais là. En fait ma belle-mère est aussi enseignante que mon père et j'ai été dans le, donc c'est un collège lycée assez grand et ma belle-mère enseignant pour les troisièmes, la raison de pourquoi j'étais parti d'après ce collège, c'était parce que ma belle-mère ne voulait pas m'avoir dans sa classe. Ok, donc ils n'ont jamais reconnu que ouais. Tu avais été victime de harcèlement dans leur établissement, quoi. C'est ça. Top. Et du coup, je suis arrivé dans un collège plus petit, qui maintenant est fermé, où il y avait trois classes. Trois niveaux un peu différents, donc on va dire un peu plus des gros intellos, une classe un peu mixte, avec des personnes cool, et une classe avec des jeunes qui font un peu plus ce bordel. Et c'est un collège qui était juste à côté de là où était mon ancienne école primaire. Donc pas mal des personnes que j'avais connues en primaire étaient arrivées à cet endroit-là. Et j'ai passé une année beaucoup plus agréable. Est-ce que tu étais chez les intellos ? J'étais chez la classe moyenne. Okay. Et les gars étaient quand même sacrément bienveillants. Enfin, une partie des garçons, ceux qui paraissaient quand même les plus troubles faites étaient des jeunes, des gars qui étaient quand même bienveillants, tout ça. Et c'est vrai que c'était mieux. Après, il y a eu les sentiments avec une fille. Et là, je savais pas comment faire et tout ça. Et du coup, sa meilleure pote était dans ma classe. Et même cette fille-là, je l'aimais beaucoup. Enfin, j'étais un peu tombé amoureux d'elle. Et j'ai fait n'importe quoi. T'as fait quoi ? Oh, des trucs horribles, comme j'angoissais de ne pas avoir de réponse de sa part tout de suite, à l'instant T, j'ai envoyé des messages, mais des trucs, tu me parles plus parce que tu... Oh non. Et des trucs mais débiles, mais complètement toxiques, et je savais pas à cette époque-là, en fait, qu'il fallait pas faire ça. Et du coup, le lendemain, bah, je croisais ses yeux noirs, mais t'es complètement taré, faut que tu me lâches. Oh, chaud. Voilà. Bah, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Enfin, peut-être. T'as l'air d'avoir appris, en tout cas, que faut pas harceler les gens de messages en leur reprochant de ne pas te répondre tout de suite. Je l'ai appris très tard. Ah ouais ? Oui, parce que, en fait, au collège, j'étais quand même très, très timide. Au lycée aussi. Et c'est vrai que je suis une personne qui a un petit peu un cœur d'artichaut, qui tombe amoureux de la moindre fille et tout ça, et en fait je crois que j'ai jamais passé une seule étape de tout mon collège ou de tout mon lycée sans tomber amoureux d'une fille. Ok. Donc une fois que les sentiments s'étaient estompés pour une autre, deux mois après, il y en avait une nouvelle qui apparaissait. Waouh, oh, celle-ci elle serait trop bien, et jamais je suis allé leur parler. Ah vraiment, ouais. Vraiment jamais. Ok. Il y a juste eu cette fille-là, ouais, en troisième, où on était dans la même classe et je sais même plus comment j'ai fait pour avoir son numéro de téléphone. Mais bon, voilà. Et du coup, t'arrives au lycée ? J'arrive au lycée, en seconde générale, et là, boum, ça recommence. C'était les mêmes gars ? Non, okay. C'est en fait ce que j'ai ressenti au collège. Là, j'ai compris au lycée. C'était que en fait, j'étais en total décalage avec les autres. Je comprenais pas. J'avais pas envie de parler forcément avec eux. J'avais rien à leur dire. J'étais avec deux gars qui étaient plutôt sympathiques et qui étaient à peu près dans la même démarche intellectuelle que moi, enfin au même niveau on va dire, et je commençais à comprendre que, surtout en seconde, que en fait si je bossais pas, j'arriverais pas à avoir des trucs. Mon père avait abandonné le fait de m'accompagner sur mes machins parce que je voulais pas travailler, donc du coup je faisais pas mes devoirs, je venais vérifier et puis je me faisais engueuler parce que je les avais pas fait, mais au final je m'en sortais très bien avec des 17 et des 18 en maths. Et arrivé en seconde, là, ça a été la catastrophe. J'avais des très mauvaises notes, il y a des trucs que j'avais plus envie d'apprendre, tout ça.
et le fait que je me sente mal avec les autres. Donc j'arrivais pas à accrocher avec avec l'ambiance générale. Je me sentais vraiment trop mature par rapport à ces jeunes-là. Et c'est vrai que au scout, je le ressentais un petit peu moins, parce qu'il y avait quand même une certaine maturité dans le fait que bah, là, on te donne des responsabilités en tant qu'enfant ou en tant que jeune, de bah, voilà, tu vas faire à manger pour tout le monde avec une équipe, bien sûr. Mais voilà, le repas, c'est toi qui le fais. Donc le chef est derrière, en train de gérer à gauche, à droite, le feu, la découpe, le machin. Mais en soi, c'était, par exemple, je me souviens, en sixième, je me suis retrouvé... et là, les gars, ils font « Bon, maintenant, on va aller faire un petit-déj, parce que c'est nous qui sommes des petits-déj. » Et puis, on s'est levé, puis je fais « Il n'y a pas de chef ?» Bah non. Ils m'ont tendu la liste. Il y avait marqué un petit mot gentil. Voilà, il y avait le briquet qui était posé. Bon, on avait de la chance, on avait du gaz parce qu'on était sur une base scout, mais on allumait le lait, on découpait le pain, on sortait la confiture, le beurre, et puis voilà, c'était fini, quoi. Okay. Puis on attendait que les autres se lèvent, on allait les lever, et voilà. Ouais, à 11 ans, c'est quand même une belle responsabilité. Et puis, il y a un résultat direct, quoi. C'est ça. Tu fais un truc qui est concret. Une demi-heure après, les gens, ils mangent. Toi, tu manges, t'es content. Ça sert à tout le monde, ça fait avancer la journée. C'est pas comme un devoir de maths qui peut être un peu plus abstrait dans à quoi ça me sert de faire ça immédiatement, quoi. Ok. Du coup, est-ce que t'alertes tes parents ou l'équipe du lycée sur le fait que... En fait, est-ce que c'était du harcèlement? Non, pas vraiment. C'était encore du « je suis les autres ». En fait, le lycée n'a pas été vraiment du harcèlement. Ça a été beaucoup plus... en fait, je suis à côté de la... Enfin, pour les autres, je suis à côté de la plaque. Yes. Et pour moi, c'est eux qui sont à côté de la plaque. Et je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je n'arrive pas à enchaîner sur leur délire et tout ça. Je trouve des gars à peu près cool avec qui je m'entends. Et malheureusement, il y a deux autres de leurs potes qui ont du mal à m'accepter. Donc ça, c'était en première. Mais c'était quand même une classe plutôt sympathique. Où, donc j'ai fait ce qu'on appelle un bac SSI. Donc sciences de l'ingénieur. Avec 40 garçons, une fille. Yes. On n'est pas encore dans la parité dans les trucs de geek. Hein. Voilà. Aujourd'hui, plus, je pense. Déjà, l'année d'après, ça devait être plus. Mais c'est vrai qu'ils avaient découpé notre classe en deux. Donc ça faisait 20 et 21 et nous on était donc vraiment enfin des gars qui savaient qu'ils n'avaient pas forcément non plus des atomes crochus avec moi, mais qui voilà, ils me bolossaient pas, ils essayaient quand même de discuter un peu et bon, je pense qu'ils se foutaient un peu de ma gueule dans mon dos, mais voilà, ils essayaient pas non plus de me faire des croche-pattes, c'était pas ça. Okay. C'était plus voilà, je me sens pas bien, je suis en décalage avec vous et en fait bah, je vais vous suivre parce que bah, j'ai pas envie d'être tout seul. D'accord. Et je faisais de l'athlétisme, ce qui était cool, parce que je me suis découvert d'autres potes. Parce qu'au final, pendant toutes ces années, en troisième, à partir de la troisième, je me suis découvert quand même un très bon ami avec qui j'ai plus de contact, enfin plus trop. Et en seconde, donc j'ai commencé l'athlétisme, et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir d'autres personnes avec qui je m'entendais très bien, qui m'ont permis de passer une très bonne terminale où j'avais quelqu'un avec qui manger le midi. Okay. Parce qu'arrivé en terminale, on est passé, donc le lycée a décidé de réduire les classes. Donc ils ont fait, bon, bah, les SI qui sont en deux classes, bah, on en met 30 dans une, et les 8 derniers ou les 10 derniers, on les met dans une classe avec des SVT. Okay. Donc du coup, retour à la normale. Dans une plus grosse classe, donc je suis passé de 20 garçons et une fille à 30 garçons et une fille. Et là, ça a été un peu plus corsé, parce que là, c'était d'autres personnes que je connaissais pas, qui n'avaient pas eu l'habitude d'être avec moi, et il y avait peut-être un garçon qui avait un peu essayé de me bolos aussi, mais quand il a vu que les autres ne réagissaient pas trop et me laissaient plutôt tranquille, et que j'en ai rien à foutre de ce qu'il me faisait, bah du coup, je pense que donc, il y a juste un peu de moi derrière moi, mais bon, voilà, en face... Ils s'en foutaient, quoi. Ok. T'avais pas... En fait, je me dis... J'essaye de m'imaginer, tu vois, dans tes pompes, et je me dis, ok, moi, j'aurais grave vécu sur Internet. J'aurais été sur des forums et tout, enfin, comme je l'ai un peu fait dans ma vie, tu vois, j'aurais été trouver des gens chelous comme moi sur Internet si j'arrive pas à m'intégrer. Est-ce que t'as exploré un peu ça? Non. Pas c'était... du tout. Alors, j'étais sur Internet. J'ai passé beaucoup, beaucoup de soirées sur YouTube. À découvrir des youtubeurs, des machins. Je suis un peu cette personne qui aime bien regarder les trucs de geek, puis qui a du mal à y jouer, mais du coup qui regarde les gens y jouer. Je vois pareil.
Et du coup, c'était beaucoup plus... je regardais un peu ça, je voyais qu'il y avait des choses là-dessus. Et j'ai très peu regardé des trucs sur pourquoi je me fais bolos, pourquoi je me fais machin. J'essayais plus de mettre mon cerveau en off et d'arrêter de penser, parce que je pensais mais vraiment mais tout le temps, j'avais des angoisses, une boule au ventre en permanence. Et c'était des trucs débiles, c'était oh, il vient de me regarder comme ça, c'est qu'il m'aime pas, c'est qu'il va dire quelque chose sur moi, c'est qu'il machin, c'est qu'il est en train de me critiquer. C'était des trucs tout le temps mais comme ça, et puis ça tournait en boucle dans ma tête, hein, voilà. Et là tu voyais plus de psy? En première, si. Okay. En première, mon père m'a aidé à trouver une autre psy. Donc en fait, ce qu'il m'a dit il y a peu de temps, c'est que à chaque fois, il est allé leur dire bon, je suppose qu'il est comme ça. Voilà. D'accord. Voilà, faites pas avec, mais voilà, il est comme ça. Il est un peu surdoué. Il est peut-être surdoué, donc. Est-ce que ça pourrait peut-être vous avantager déjà sur comprendre comment c'était? Yes. Et en fait, le souci, c'est que les personnes surdouées ont tendance à voir à travers les gens, comprendre facilement les gens rien qu'en les regardant. Parfois, on peut même deviner la vie de quelqu'un rien qu'en le regardant, en le voyant parler. Ce qui peut être parfois horrible, parce que la personne n'a pas envie de savoir qu'on regarde à l'intérieur, alors qu'on ne le fait pas exprès. Mm-hmm. Et parfois... tu as tendance à manipuler les autres sans le savoir. Donc moi, j'ai essayé de très peu le faire. Mais c'est vrai qu'avec cette psy, ce qu'a dit mon père à un moment, c'est bon, vas-y, tu vas la voir. À chaque fois, tu tournes en rond. J'ai l'impression que ça avance pas. Maintenant, c'est fini, on arrête. Et ça m'a fait vachement de mal parce que moi, ça me faisait du bien d'y aller à chaque fois. Mais c'est vrai que je tournais tout le temps en rond, je tournais autour du pot. J'arrivais pas à aller plus loin. Et elle, je l'avais... Elle s'était pas rendue compte, et moi non plus, mais en fait, je l'avais mis dans la position que je voulais, moi. Ok, pour pas qu'elle aille t'emmener et creuser là où tu te sentais pas prêt à aller. Donc c'était vous étiez tous les deux en train de tourner en rond sur les mêmes problématiques, quoi. Et ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc du coup, j'ai plus eu de psy jusqu'à l'année dernière. Ok, donc tu finis le lycée. J'ai fini le lycée. Est-ce qu'il y a d'autres trucs notables Est-ce qu'on commence à perdre sa virginité à un moment ou pas encore? Après. Ok, on y arrivera. Donc je suis encore au lycée. Au final, là ici, ça me plaît pas parce que moi, je voulais créer des moteurs, mais comme un petit garçon veut créer des moteurs, c'est-à-dire t'es dans un garage, tu prends un truc au hasard, tu assembles, ça passe pas. En mode Tony Stark. C'est ça. Et en fait, on m'a dit ah ben non, ce genre de métier, ça n'existe pas. Et j'avais des trop mauvaises notes pour aller faire une école d'ingé. Et ça me plaisait pas. Et c'est vrai que depuis la seconde, on essayait quand même. Mon père essayait de me mettre dans l'école d'ingé. Donc mon père, sa façon de nous montrer qu'il nous aime, c'était de nous amener dans les trucs qui nous plaisent. Et d'essayer de nous montrer qu'il s'occupait de nous. Ok. Ce qui, pour un enfant surdoué, enfin un enfant zèbre, c'est pas la meilleure option. Parce qu'un enfant zèbre a besoin de câlins, d'être. Jouchuter, de voir des vrais moments de tendresse en fait, et pas des je t'ai amené à la piscine parce que t'adores la piscine, j'ai fait 30 bornes, je sais pas quoi, c'est bon, vas-y, je t'aime. Je vois. Et voilà, et du coup, il essayait quand même de nous aider à trouver des boulots qui lui paraissaient bien pour nous, donc il pensait savoir pour nous. Et moi, j'en ai marre parce que je voulais pas. Et à chaque fois qu'il me montrait quelque chose, je trouvais ça à peu près bien, j'approfondissais, en fait, ça me plaisait pas. Okay. Donc j'étais complètement perdu, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et ma sœur a fait donc un DUT génie chimique, génie des procédés. Je suis parti le faire aussi. Elle m'a présenté le truc, j'ai fait ok, ça me va. De toute façon, mon père avait dit au pire, si ça te plaît pas, l'année d'après tu recommences autre chose. Mais pour lui, il fallait pas que je loupe une année. Pour lui, je pouvais pas aller à la fac. D'accord. Et arrêter au bout de 3 mois en disant c'est bon, j'en ai plus envie, et rester à la maison à rien faire. Donc ce DUT a été bien. On retourne sur un petit modèle, donc 26 personnes, je crois. Et je trouve enfin des gens comme moi, des gens avec qui je peux discuter, des gens qui ne sont pas dans la compétition. Et c'est vrai que j'ai trouvé ma bande de potes avec qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est... je suis plutôt content. Donc ça a mis un peu de temps à se faire, parce qu'au début, on a un peu modulé les choses. On était avec des gars, puis au final, on s'est rendu compte que... moi je bois pas non plus beaucoup d'alcool, mais j'en bois un peu quand même, et eux buvaient beaucoup d'alcool pour boire de l'alcool, donc du coup
on s'est un peu séparés, même si on s'aimait bien. On est passé sur un autre groupe, et c'est vrai que j'ai découvert vraiment ce qu'était une vraie amitié, un vrai groupe de potes, quoi. Et c'était cool. Ça fait du bien. Yes. C'est un groupe mixte ? Non. Que des mecs ? Que des gars. Et ils sont sympas ? Ils sont sympas. Waouh ! Plutôt. Ouais. Amazing. Est-ce que t'étais un peu farouche au début ? Pas trop. En fait, je venais de finir les scouts cette année-là. Donc cette année-là... Ah oui ! Petite précision, à 17 ans, donc à la fin de la première, c'est ma dernière année de scoutisme en tant que jeune. Ok. Donc à 17 ans, j'avais soit le choix de faire ce qu'on appelle les compagnons, soit de devenir chef. Et j'ai fait le choix de devenir chef avec deux autres gars, enfin les deux autres gars qui ont le même âge que moi. Et on n'avait pas la vision de chef. Eux, ils étaient plus dans « ouais, vas-y, on joue avec les enfants et on fait des bêtises ». Et puis moi, j'étais plus dans « le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contrôle ». Faut que ça soit comme ça, faut que ça soit comme ça. Et en fait, je me suis plutôt bien amusé. Donc c'est pour ça qu'aussi en terminale, j'étais complètement décalé par rapport aux autres garçons. C'était qu'à côté, j'avais des grosses responsabilités en tant que chef, responsable d'enfants. Donc une tranche d'âge plus jeune que celle que j'avais faite, donc des 8-11 ans. Okay. Et je me suis retrouvé dans un milieu que j'ai adoré, en fait. M'occuper d'enfants et avoir la responsabilité, c'était pour moi, enfin on accepte que je suis quelqu'un de mature. Parce que les parents arrivaient et me disaient, bon bah c'est bien passé, tout ça. Alors que j'avais que 17 ans et que derrière, le lendemain, après la réunion de scout, je me retrouvais au lycée avec des gars qui disaient « Ouais, hier, j'ai joué à, j'ai joué à LOL. » Putain, c'était la grande époque de League of Legends. C'est marrant. Enfin, c'est intéressant parce que statistiquement, il y a une très... Enfin, les hommes dans les métiers ou dans les activités liées aux soins des enfants et à l'encadrement d'enfants sont ultra sous-représentés. Je pense que peut-être dans les trucs de plein air un peu physique, pratique, comme le scoutisme, ça doit être peut-être... Scoutisme ou colo, c'est vrai que c'est... Un peu plus, quoi, mais je sais pas si on est sur une parité. Il y a un genre d'idée comme quoi, en gros, les femmes, naturellement, n'est-ce pas, grâce à la fibre de leur utérus, elles adorent les enfants, et les hommes, pas spécialement. Est-ce que c'est un truc que toi, t'as ressenti à des moments, le fait de, bah ouais, je suis un mec, et mon kiff dans la vie, c'est de passer du temps avec des enfants et de leur apprendre à être autonome? Je l'ai ressenti très tôt. Je pense que... À l'adolescence, je me disais déjà, bah, je veux des enfants. Ça ne me dérange pas, ça ne me pose aucun souci. Peut-être un peu pour ça que je me suis dirigé vers devenir chef. Mais c'est vrai que dans le cadre du scoutisme, il n'y a pas trop cette connotation de bah, « t'es un gars, tu ne peux pas trop t'occuper d'enfants, t'es une fille, tu peux plus t'en occuper ». Peut-être sur certains moments où... quand, en fait, ça va être l'a priori de la personne, c'est il va se dire « Oh mais non, mais en fait, moi, je peux pas aller cajoler un enfant de cet âge-là, je me sens pas, donc vas-y, toi, t'es chef ten, il te fait plus confiance. Okay. » En fait, c'est juste la confiance que ça instaure avec les jeunes qui fait que toi, tu vas être plus dans la confiance avec cet enfant et réussir à le calmer. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui me font plus confiance à moi, parce que du coup, ça fait 3 ans ou 4 ans, certains qui me connaissent, parce que comme j'ai changé de tranche d'âge après, et ils ont beaucoup plus confiance en moi que n'importe quel autre chef, parce que j'ai instauré quelque chose avec eux, je leur ai montré qu'ils pouvaient avoir confiance en moi. Parfois, il faut aussi montrer qu'on est vulnérable pour que les enfants se disent « Ok, bah, je veux bien aller vers cette personne parce que je vois qu'elle ne va pas être stoïque avec moi, qu'elle aussi ressent des sentiments, elle va me comprendre. » Comment t'as fait du coup ce boulot sur ta propre vulnérabilité et ta sensibilité après avoir passé un bon moment avec une bonne carapace ? J'ai commencé à la développer dans le scoutisme où j'avais une responsable de groupe qui voyait bien que j'étais quand même très... j'aimais bien le cadre, j'aimais bien que tout soit cadré, que tout soit bien fait, tout ça. Et elle m'a dit « Bon, faut que tu te détends, voilà, relax, t'inquiète. » Et au fil des années, en fait, j'ai fini... par lâcher du lest, lâcher des choses, lâcher prise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait du bien parce que bah, j'angoisse moins, je suis moins fatigué à cause du stress, j'ai beaucoup moins mal au ventre que je pouvais l'avoir pendant une bonne période de ma vie. Et
Et c'est vrai que ouais, je pense que le scoutisme a vraiment aidé à relâcher tout ça, contrairement où, en fait, si j'étais resté dans mon cadre familial, j'aurais jamais réussi. Du coup, on est en DUT, on a une bande de potes mecs cool. Ouais. Est-ce que c'est des mecs avec qui tu te sens en capacité d'exprimer ta vulnérabilité et ta sensibilité, ou est-ce que t'as un peu quand même une persona un peu plus froide avec eux ? Avec eux, c'est un peu compliqué à expliquer. Je leur ai dit... j'avais tendance à balancer un peu, c'est vrai que ces dernières années, parce que le DUT c'est fini donc il y a 2 ans, je me suis retrouvé à leur dire, bon bah voilà, aujourd'hui je me sens pas bien parce que j'ai perdu mon grand-père, machin, et c'est vrai qu'eux avaient parfois du mal à rebondir sur ces choses-là. C'est pas pour autant qu'individuellement on peut pas en discuter, mais c'est vrai que quand on est tous ensemble, on a beaucoup plus tendance à être, bon, on est quand même une bande de garçons, si on a des sentiments, bon, on se les montre pas. C'était beaucoup plus, on essayait d'être dans la joie que dans la tristesse, pourquoi tu vas pas bien et tout ça. Il y a eu parfois des moments où il y en avait qui se sentaient vraiment pas bien, on essayait justement de leur faire changer les idées, plutôt que d'essayer de savoir comment les aider. Et je me suis retrouvé à être un peu le comique du groupe, enfin le comique, un peu la personne qu'on boulosse un petit peu, mais vraiment pour rigoler, où on m'a donné un surnom qui était le fragile. Parce que... Yes, la masculinité. Voilà. Et j'en ai beaucoup rigolé. Ça m'a permis de beaucoup relâcher des choses sur moi, à me dire, bon, c'est bon, ça va, je le prends pas si mal. Contrairement à avant, où c'était, on faisait une petite remarque, ça me faisait super mal et tout ça. Toujours un peu dans le mode carapace quand même. Et je me suis retrouvé à me suis retrouvé avec ce petit surnom qui me dit bon, bah t'as fait une erreur à une soirée, t'as bu trop vite, et bah le fait est que toujours dans le contrôle, même alcoolisé, j'ai dit à Yoga, bon écoutez les gars, est-ce que vous voulez bien me ramener chez moi, je me sens pas bien et tout ça, et il était 22h. Bah ça arrive, hein. Oui, bon, ça en même temps, t'as eu le bon réflexe plutôt que de faire le bonhomme et de continuer à boire, ce qui aurait pu pour le coup t'attirer plus de problèmes. Sachant que j'ai passé quand même une bonne heure à vomir sur ma poubelle. Un bon signe qu'il faut rentrer à la maison. C'est ça. Et du coup, non. Mais j'étais pas si loin, donc ça va. Ils m'ont ramené. Ils ont fait. Et comme la clé d'en bas me permettait d'ouvrir et que j'étais un peu le seul à avoir la clé d'un grand bâtiment là où j'étais, il fallait que je ferme derrière moi, et du coup ils étaient, bon, est-ce que t'es sûr que tout va bien? J'ai fait oui oui, j'ai fermé derrière eux, je suis monté, le truc qui est absolument pas à faire, où ils auraient dû venir me monter, vérifier, me coucher, voir si tout allait bien, et peut-être fermer derrière moi et venir m'ouvrir le lendemain pour que je puisse sortir avec eux pour aller en cours. Mais ils t'ont quand même raccompagné jusqu'à la porte, et ils se sont inquiétés de est-ce que ça va aller, donc bon, je suis là franchement... Oui. Ils ont quand même fait le taf, ouais, même s'ils ne sont pas allés jusqu'à franchement, ton lit. Pour des enfants de 18 ans, enfin des enfants, pour des jeunes de 18 ans, c'était quand même beaucoup plus... mais on avait quand même une bonne ambiance, une bonne bienveillance là-dessus au niveau de l'alcool, où les gens faisaient quand même attention. C'était pas des trucs qui peuvent se passer en école d'ingé où « Ah, c'est drôle, il s'est endormi, allez, on lui dessine dessus et puis on le laisse dans un coin. » Ok. Et du coup... ce qui se passe dans notre groupe de potes, c'est qu'en fait, on est 3 duos. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce qu'on est 6, mais en fait, c'est 3 duos qui fonctionnent comme ça. Donc, on est beaucoup plus proche avec une seule personne et on s'entend bien avec les autres. Donc, c'est vrai que j'ai eu parfois des petites difficultés à faire passer certaines choses parce que moi, je voyais pas du tout le côté bienveillant de leur part et eux pensaient d'une autre façon que moi. Et c'est vrai que parfois, je me suis retrouvé en confrontation avec eux parce que je ne comprenais pas comment ils réfléchissaient, parce que je ne comprenais pas pourquoi ils pensaient comme ça. Ce qui fait partie un peu de mes caractéristiques, en fait, en tant que personne, c'est que je réfléchis très vite et que je me retrouve parfois complètement décalé par rapport aux autres parce que, pour moi, j'ai la solution. J'en suis sûr d'avoir la bonne solution parce que j'ai fait tout le tour du souci. Et en fait, parfois... Je vais trouver qu'ils sont pas assez dans l'émotionnel en se disant ouais mais arrête ça se fait pas tout ça et c'est vrai que en fait eux ont leur façon de penser qui pas forcément
qui est bienveillante aussi. Mais voilà, ils sont peut-être, contrairement à moi et ma particularité, c'est que moi je le vois beaucoup plus du côté toujours émotionnel en fait, toujours okay. À travers ce filtre là. C'est qui ton gars sûr dans la bande du coup? C'est Amaury. Ok. Bonjour Amaury, on l'embrasse. Ah, il est comment Amaury? Amaury, il est extraverti, imberbe. Et c'est la personne la plus extravertie et imberbe que j'ai jamais vue de ma vie. C'est-à-dire que d'un coup... La plus extravertie, la plus imberbe. Voilà, c'est-à-dire que, bon, je suis pas non plus une caractéristique de beau gosse, mais j'ai plus de barbe que lui. Et beaucoup plus de poils sur le reste du corps. Et c'est vrai que, pensant qu'une personne comme ça pourrait se sentir mal dans sa peau, lui, on n'a rien eu à faire. Quand il a vu que les autres évoluaient, il a dit, bah, vas-y, c'est bon, je m'en fous. De toute façon... Je crois que son père, c'était un peu comme ça pendant une période. Et jusqu'à un certain âge, il n'a pas eu vraiment beaucoup de poils. Et après, ça est arrivé. C'est vrai que c'est un peu le foutage de gueule en ce moment. C'est que là, il nous a dit « Ouais, les gars, j'ai avancé dans le niveau de mon rasage. C'est que maintenant, je me rase tous les 7 jours et puis tous les 8. » Yes, Hugo Amaury. Mais en soi, c'est drôle parce que c'est vraiment quelqu'un qui en a rien à faire de ce que pensent les autres. Et il m'a permis de passer à d'autres choses. Non, le gars, j'en ai marre de lui, je me retrouvais à aller faire les courses dans les magasins avec lui, parce que étudiant oblige. Et d'un coup, t'es dans le rayon promo, tu regardes un truc, et là t'entends... Et il a disparu, tu vois juste des bouts de cheveux frisés qui partent dans les autres rayons, et il joue à cache-cache, comme ça pendant une demi-heure. Ok, un bon idiot, voilà. Je vois l'idée. Et non, franchement, c'est vraiment le gars qui réfléchit beaucoup, et qui en a rien à faire de ce que pensent les autres là-dessus, ouais. Bon, et du coup, les meufs. Ah. On y arrive, hein. Un moment. Ça y est, on a bien parlé des gars, là. Ok, les meufs. hydratez-vous, Thibaut, ça va bien se passer. Les filles. Alors, j'ai eu deux petites amourettes au collège. Donc, en sixième et de la sixième à la cinquième. Donc vraiment des trucs un peu ridicules, on va s'embrasser derrière le collège, on va machiner, et puis il n'y avait rien d'autre dans le reste de la journée, où on s'envoyait juste des messages à travers la classe, et c'était ridicule, c'était vraiment, j'étais tellement timide que j'arrivais à peine à leur parler en face, on discutait un petit peu, j'avais pas de portable à cette période-là, donc du coup on discutait par le biais de ça, et chemin faisant... Les meufs. Ah, j'ai une belle anecdote. Il y a une fille dont je suis tombé amoureux en primaire et j'ai pas réussi à m'en décrocher jusqu'à la fin de la terminale, on va dire. Ok. Vraiment, je pensais à elle assez souvent. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en troisième, je suis tombé dans son collège. Je suis parti en Allemagne avec elle et vraiment, mais... Bon, elle m'aimait à peu près bien et trouvait sympa, mais c'était pas toujours... voilà, on n'était pas super potes, quoi. On discutait un petit peu, elle avait d'autres personnes avec qui elle s'entendait bien. Et je tiens à m'excuser à cette personne en fait, on s'est retrouvés dans les rues de Köln, je crois, où on avait un temps libre et elle voulait aller acheter une jupe ou une robe pour la soirée du machin, et tout le monde avait ce qu'il fallait. Les autres voulaient aller autre part, et elle a dit, bon, bah, moi j'y vais toute seule, puis je vous rejoins. Et je lui fais, bah, si tu veux, je t'accompagne. Elle fait, ok, pas de souci. Du coup, on va dans un machin, puis moi je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis là? Et on s'est retrouvés. Donc elle a essayé quelques trucs, et elle fait, qu'est-ce que t'en penses? Et la réponse que j'ai donnée... C'est cette fête belle fesse. Yes! Godspeed! Je pense qu'elle avait une image de moi, de quelqu'un quand même de plutôt sympa, pas quelqu'un de lourd. J'ai vu que dans son regard, ça a changé. Elle m'a regardé avec des yeux noirs, elle a fermé la machin. Elle a dû se dire, ok, je prends celle-ci. Moi, j'ai reculé dans les rayons. Et elle a pris sa machin, elle a payé, on s'est barré, elle m'a à peine réadressé la parole. Elle était ultra vénère. C'était audacieux hein, comme move. Ah, c'était audacieux. Peu de chance de marcher, mais si ça marche, ça marche bien. Mais voilà, mais c'est ça mon souci, c'est que j'ai constaté quelque chose,
Et je l'ai dit, sans filtre. Et voilà. Ok. Donc, voilà, ce chemin faisant, je crois que ça a été la seule personne, la seule fille vraiment où j'ai eu quelque chose de plus proche que les autres. C'est vraiment, j'avais très peu d'amis filles petits, quoi. Enfin, de petit à grand. Les filles qui étaient avec moi en primaire, je discutais encore un peu avec elles après. Mais je trouvais plus d'intérêt à leur parler parce que on avait tellement passé de choses en dehors que, en fait, je trouvais qu'il n'y avait plus de lien. Et arrivé au milieu de la première année de DUT, je venais de me prendre un vent par ma co-cheftaine de cette année-là. Et du coup, j'ai fait, bon, bah tant pis, vas-y, ça me saoule, j'y pense plus pendant quelques temps et tout ça. Et là, le dessin a fait que je suis tombé sur cette fille qui était très sympa, très drôle, très extravertie aussi. Elle était dans ta classe ? Non, okay. Je l'ai trouvée au scout. Ok. Plus grande agence matrimoniale de France. Ça se chope chez les scouts, mon ça gars ! Ça se chope chez les scouts, c'est impressionnant. Et c'est vrai que on... Alors elle apparemment n'a pas compris tout de suite, mais on s'est trouvé sur une journée de préparation de camp, un truc un peu chiant au niveau du territoire, parce qu'on n'était pas dans le même groupe. Et elle, on s'est bien amusé, on s'est bien marré, on s'est un peu taquiné au cours de la soirée où on a fini par faire un morpion sur mon jean pendant pendant un atelier où je connaissais l'animatrice, enfin la personne qui présentait l'atelier, qui à la fin m'a dit « Bon, Thibaut, tu fais chier. tu m'as saoulé, tu m'as détruit mon atelier, t'es pas cool. » Et c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement avec elle, très naturellement même. C'était la première fois que ça allait si bien. Et elle, au début, n'a pas compris que je la draguais, alors que je savais pas du tout draguer. C'est sa pote qui a fini par lui expliquer « Non, mais tu vois bien que Thibaut, il te parle beaucoup. Oui, et il m'aime bien. Oui, il t'aime bien, oui. » T'aimes bien, bien, ouais. Et voilà, et ce chemin faisant, on a fini par sortir ensemble un peu naturellement. Et on a vécu 2 ans et 4 mois ensemble. Ok. Tu sais ce que je vais demander. C'est maintenant... Le sexe. Il me déteste. Comment c'était ta première fois, Thibaut ? C'est pas rentré. Oh, c'est pas grave, ça arrive. La toute première, c'était stressant, dans le noir, dans sa maison de vacances chez ses parents, où on n'a pas réussi à le faire. Et, est-ce que c'était sa première fois, elle aussi ? Ouais. Ok. On était tous les deux sur notre première fois. Elle était très stressée, moi, ça allait. Enfin, un peu quand même, parce que j'avais pas du tout envie de lui faire mal. Mmh. Et voilà, on n'a pas pu se forcer que ça, et c'est pas passé. Et c'est une deuxième fois, je crois que c'était 2 semaines après, où là, c'est un peu plus passé, et voilà. Ok. Et après, on a essayé quand même de faire quelque chose d'assez intéressant de notre couple, où on a quand même essayé d'être un couple qui discute beaucoup, qui communique. Pour essayer quand même de chercher à bâtir quelque chose de stable, ce qui m'allait très bien. Sauf que ce qui se faisait qu'elle était loin, qu'elle était au moins 1 heure de chez moi, que j'avais pas de voiture à ce moment-là, qu'elle était encore chez ses parents parce qu'elle avait redoublé de classe. Donc on a le même âge, mais voilà, elle avait un retard au niveau scolaire parce qu'elle avait, elle voulait faire une autre formation, elle avait changé entre temps, et du coup, elle n'avait pas son propre appart jusqu'au début de ma deuxième année de DUT. Donc, nous, on s'est connus à peu près mi-mars. On est sortis ensemble début avril. Et on a passé l'été un peu chez ses parents, un peu chez les miens. On s'est un tout petit peu vu pendant cet été-là, vraiment tout petit peu. Et là, elle a eu un appartement parce que ses parents ont déménagé, son père est... Un boulot qui fait qu'ils déménagent assez souvent. Et qui fait qu'ils étaient déjà à Paris et qu'elle, elle a dit « Bah, fuck, je finis le lycée, il me reste une année, voilà. » Et du coup, j'allais beaucoup plus souvent la voir à son appartement, ce qui était cool, mm-hmm. parce qu'on était tranquille.
Mais c'est vrai que ouais, on a quand même essayé de faire quelque chose de, d'intéressant parce qu'elle avait, elle, un blocage. Et du coup, par moments, ça allait bien. Et puis, c'est vrai que plus sur la fin, ça a été un peu compliqué parce que j'ai, même dans la relation, j'ai vraiment été quelqu'un de, d'assez toxique. Ah ouais ? Ouais. Comment ça ? Bah en fait, je me suis retrouvé à faire avoir des angoisses. Donc à un moment, elle a fini par partir sur Paris, rejoindre ses parents pour continuer ses études. Et comment dire ça ? Je me suis retrouvé un peu à me dire bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la suis ? Est-ce que je la suis pas ? Est-ce que je continue mes études ou est-ce que je cherche un travail ? Voilà. Et au final, j'ai pas réussi à reprendre des études à la fin de mon DUT. Donc du coup, j'ai cherché un travail. Donc j'avais de l'argent. Je pouvais venir la voir. J'avais un appartement à moi. Contrairement à elle qui était retournée habiter chez ses parents. Et c'est vrai que le fait de la savoir dans un autre milieu social a fait que je suis vraiment devenu extrêmement jaloux. Mais pas de la jalousie dans le sens je veux te posséder, t'es à moi et tout ça. C'était beaucoup plus... en fait, j'ai pas du tout confiance en moi. Du coup... le fait que j'ai pas confiance en moi montre que bah, je suis pas sûr que tu m'aimes à fond parce que je suis pas assez bien pour ci, je suis pas assez bien pour ça. Du coup, j'ai peur que t'ailles voir quelqu'un d'autre et j'ai fait vraiment des... Mais en fait, c'était des crises d'angoisse quoi, que je faisais. Donc j'ai envoyé mais des textos. Mais que du coup, ouais, tu lui envoyais ton angoisse. C'est ça. Ok. Et comment elle réagissait, elle ? Elle a un peu réagi au début... Après, j'essayais quand même de contrôler parce qu'on avait discuté de tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, il a fini par avoir un moment où je lui ai quand même demandé de m'envoyer une photo de, avec qui elle était, alors que c'était quelqu'un que je connaissais, c'était une fille, sa meilleure amie, que je connaissais bien et tout ça. Mais vraiment, mais pff, des trucs... Et t'as pas, à ce moment-là, t'as pas pu, avec ta bande de potes, par exemple, t'as pas pu... trouver de... Enfin, exprimer la peur que tu ressentais par rapport à ta meuf qui est... En fait, je comprends la peur de... Bah déjà, on n'est pas ensemble depuis si longtemps, tu vois. C'est ma première. Elle est partie à Paris. Paris et là où je vis, c'est ultra différent. Si ça se trouve, elle va genre trouver des gens mille fois mieux que moi. Et c'est moi, je sais pas quoi faire de ma vie. Enfin, je comprends bien, tu vois, les racines du truc. Et est-ce que ça, t'as pu en parler à tes amis ou même à ta famille, tu vois, pour pas rester tout seul à laisser mariner ça jusqu'à du coup lui faire peser alors qu'elle faisait rien de mal, tu vois. J'ai essayé d'en parler un peu, mais ça n'a pas été concluant parce que j'arrivais pas à avoir des vraies solutions, enfin les solutions que je voulais en fait. Et les gens essayaient de m'aider un peu en se disant bon, bah il va cogiter, il va trouver lui-même. Et moi je voulais juste qu'on me trouve la solution. Qu'on me dise mais fais comme ça, puis ferme ta gueule. Et en fait, j'en ai pas beaucoup parlé non plus parce que. Ayant eu très peu de potes, j'avais pas cette habitude-là de, d'aller dans le « bon, les gars, ça va pas du tout ». Et puis, à ce moment-là, c'était encore un peu... On commençait quand même encore à se découvrir entre potes. Ça faisait un an qu'on se connaissait, voire deux ans. Ça commençait à faire deux ans qu'on se connaissait. Donc là, on commençait vraiment à avoir un vrai groupe. Et c'est vrai que j'avais pas trop ce truc-là. J'arrivais pas à le dire, en fait. Ok. Et du coup, comment ça s'est fini avec ta copine ? Mal. Je me doute. Très mal. Je me suis retrouvé à... Comment dire ça ? En fait, à peu près 6 mois avant notre rupture, donc c'était en août dernier, je me suis retrouvé à me dire « Bon, bah, ça va pas. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Moi, j'avais essayé de chercher des études pour qu'on se rapproche tous les deux, pour qu'on ait un appart ensemble. » Et elle m'avait dit, mais beaucoup plus sur la fin, ouais, mais non, en fait, moi, ça me plaît pas. Moi, je veux juste être tranquille, essayer de commencer à faire ma vie, parce qu'en fait, je reviens chez mes parents et j'ai toujours pas vraiment vécu une vie d'étudiante. Parce que le lycée, bon, bah, elle avait pas non plus beaucoup de potes, elle aussi. C'était pas vraiment des personnes qui étaient vraiment dans la formation parce qu'ils préféraient ça. Enfin, parce qu'ils voulaient que ce soit. Comment dire ça ? C'était pas vraiment une formation dans laquelle ils avaient choisi en fait ces jeunes. Okay. C'était pas une passion quoi. C'était pas la passion.
Et je me suis retrouvé voilà, avec cette boule au ventre qui grossissait, à faire des crises d'angoisse, à ne plus du tout vivre le moment présent. Déjà que j'avais du mal à le vivre, je pensais toujours à ce qui va se passer après. Et à un moment, j'arrivais même plus à me projeter avec elle. Et elle me disait, bah voilà, si tu veux te rapprocher, bah tu prends. Entre guillemets, elle disait, bah tu prends ton appart et puis on se verra, quoi. Mais moi, je veux soit rester chez mes parents, parce qu'au final, elle savait fortement qu'elle allait finir à Paris, soit soit je reste chez mes parents, soit je trouve mon appart. Et moi, j'ai dit, ouais, mais je veux bien, mais moi, je voudrais qu'on vive ensemble. Et là, ça peut marcher. Et on a, je pense, très mal communiqué, surtout moi, sur ce que je ressentais, sur tout ça. Et on n'a jamais réussi vraiment à trouver le truc. Ce qui s'est fait qu'en juin, je me suis retrouvé à savoir que j'allais arrêter peut-être mon taf au début septembre, à essayer de trouver une formation que j'arrivais pas, je l'ai pas eu. Elle avait ses résultats, elle savait qu'elle restait sur Paris. Et on a commencé les grandes vacances avec elle qui trouve un taf, donc on s'est pas vu. Elle est partie en colo dans lesquels ça n'a pas été très cool. Elle s'est un peu percutée à des directeurs un peu cons. Mais avec des animateurs plutôt cool, parce que la colo c'est pas les scouts, c'est différent. Et du coup c'est vrai que je trouvais qu'elle avait grandi, qu'elle avait changé et qu'au final on se ressemblait moins. Et je pense qu'à cette période là je savais pas trop que en fait dans un couple il pouvait y avoir plusieurs évolutions, en fait plusieurs couples qui se créent différents, où en fait bah, l'autre a évolué mais toi aussi, et du coup en fait vous êtes toujours c'est à peu près la même racine, mais si vous aimez encore c'est parce que en fait bah, bien que vous ayez changé, en fait faut apprendre à vivre avec la nouveauté de la personne, quoi. Comme je sais pas, comme si tu nettes ta voiture, bon bah à un moment faut la conduire quand même, il faut apprendre que bah t'as un nouveau système de machin, et voilà. Oui, et surtout avec la distance, c'est ça aussi qui fait que Comme tu vois rarement la personne, la différence elle te saute aux yeux, alors que quand t'es H24 ensemble, bon bah c'est plus progressif, quoi. Puis sur la fin, sur les derniers mois, je commençais beaucoup plus à venir chez elle à Paris, parce qu'elle a été beaucoup plus venue au début de l'année dans mon appart à moi ou chez mes parents, et je commençais à vraiment sentir un moment où je me suis senti perdu. Donc elle m'a dit, bah peut-être qu'il faut que tu te rapproches de tes parents, parce que ça fait un moment que tu les as pas eus. C'est vrai, j'ai beaucoup passé de temps sur le projet tous les deux, plutôt que sur le projet, ben moi, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, j'étais paumé dans ce que je voulais faire. Je ne savais pas où est-ce qu'on allait tous les deux, et je ne me projetais pas d'être à Paris. Parce que, bien que je sois là aujourd'hui, je déteste cette ville. T'as le droit. C'est ultra angoissant, c'est horrible pour moi. Trop de bruit. Trop de gens, trop de bruit. Oui, est-ce que tu as ça, tu as l'hypersensibilité sensorielle aussi? Ouais, c'est vrai qu'à un moment ça m'empêchait de travailler, parce que même là en fait, et lire un bouquin dans le métro ou dans le RER, c'est presque impossible pour moi. Je passe mon temps à lever la tête, regarder les gens quand on s'arrête, qui descend, qui monte, passer mon temps à tout regarder, tout machiner. Et c'est vraiment une grosse hypersensibilité émotionnelle aussi, mais dans le fait que j'ai grandi avec un père qui avait un filtre, bah j'ai un peu imité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me permet aussi de tamponner et d'éviter de culpabiliser sur certaines choses. Yes. On va finir l'histoire du coup. Ouais. La rupture. C'était vraiment la rupture du gros connard. Oh no! Ah oui. Ça faisait une semaine qu'elle était chez moi, qu'elle avait réussi à se dégager du temps pour passer une semaine dans mon appart alors que je travaillais. Et elle m'a fait une petite surprise, c'est qu'elle est restée quand même jusqu'au soir, alors qu'elle avait dit qu'elle partait le matin et tout ça, et qu'elle me laissait... Bref. Donc on s'est vus le vendredi, avant qu'elle reparte chez ses parents, et moi que je parte en week-end chez mes parents. Et en fait, on l'a fait une dernière fois, mais je ne pensais pas que c'était une dernière fois. Et c'est vrai que pendant cette semaine-là, ça n'avait pas été non plus le bonheur, que moi, je m'attendais toujours à ce que ce soit génial et tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, je me confrontais à chaque fois à la vie réelle, ce qu'elle est. C'est que ce n'est pas toujours machin, alors que moi, je m'attends toujours à avoir quelque chose de... Waouh, épanouissant.
Et une fois la chose faite, une fois la chose retombée, j'ai la boule qui est réapparue. Et là, je me suis dit, en fait, il faudrait peut-être arrêter ça parce que là, t'es vraiment pas bien. T'arrives pas à savoir. Et j'avais commencé à avoir une psy 3-4 semaines avant. Ok. Donc, elle m'avait dit depuis déjà très longtemps, va voir un psy si tu te sens pas bien. Et j'arrivais pas à faire la démarche. Comme elle aussi, avec son blocage au niveau sexuel, elle arrivait pas non plus à faire la démarche. Et l'un dans l'autre, ça a été quand même quelque chose d'horrible, quoi, où je lui ai dit, écoute, je me sens pas bien. Et là, elle m'a dit, si vraiment tu te sens pas bien avec quelqu'un, faudrait peut-être que tu la quittes. Donc, je lui ai demandé de me dire de la larguer. Le plus horrible ça du monde. Ça va, c'est pas la pire rupture du monde, franchement. Je pensais que, on allait casser des assiettes, tu vois. Ah non, non. Non, ça mais va, c'est plutôt sain. C'est ok, je devrais faire ça, mais j'arrive pas à le faire. Tu peux pas me dire de le faire comme ça, je le fais. C'est dur parce que du coup, tu l'as mis dans une position où c'est elle qui doit demander à se faire galère, ce qui est pas simple. Mais. Je sais pas, c'est pas le pire. Ouais. Croisant mon expérience de personne extrêmement vieille, il y a pire comme rupture. Bon. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait vécu, c'était un peu dégueulasse. Surtout que, on venait juste de finir faire l'amour, enfin, des trucs pas cool. Et et après, j'arrivais pas à décrocher pendant quelques petites semaines, j'ai encore continué à lui parler, elle aussi. À un moment, c'était elle qui était obligée de me dire « Mais arrête de me parler parce que sinon, on va jamais y arriver à passer à autre chose. » Et j'ai commencé à faire mon chemin et elle le sien. Et c'est vrai que le dernier contact qu'on a eu, c'était en décembre. Où vraiment, je passais mon temps en fait, à faire des montagnes russes. Je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens pas... Bref. Et je lui ai envoyé un dernier texto parce que je voulais lui en parler un peu de ça, et c'est parce que j'avais vraiment pas l'impression qu'on avait bien fait la rupture, quoi. Ce qui est vrai qu'on n'a pas beaucoup discuté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça qui m'empêche de passer à autre chose, mais bon, voilà. Et elle m'a dit, écoute, maintenant c'est fini, arrête de m'envoyer des messages, j'essaye de passer à autre chose. Toi aussi, fais de même, parce que voilà, il y aura rien d'autre, quoi. Et voilà, et j'ai fini par effacer son numéro parce que c'était presque. Et elle en devenait vraiment agressive, quoi. Et je comprenais que, à un moment, il fallait que je lâche et qu'il fallait que je passe à autre chose. Du coup, voilà. Ok. Juste le dernier sujet dont je voulais qu'on parle ensemble, c'est ton diagnostic. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as demandé. Salut, apparemment, il y a un truc qui s'appelle les zèbres. Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce que c'est ta psy qui a fait « Jeune homme, on va faire un ou deux tests ». Comment ça s'est passé, tout ça? C'est arrivé à 18 ans, où j'ai dû tomber là-dessus, mais vite fait. Et je me suis dit « Tiens, une personne surdouée ». Puis j'ai commencé à lire le truc, puis je me suis dit « Mais non, c'est pas moi ». Ce qui arrive à toutes les personnes qui sont comme ça, c'est que, en fait, on a l'impression d'être en dessous des autres, plutôt que d'être au-dessus. Parce qu'on se dit, mais tout le monde me dit que je suis intelligent, mais en fait, je ne le sens pas, parce qu'on me le montre à l'école, je ne suis pas bon, parce que à chaque fois que je dis quelque chose, les gens ont l'impression que c'est bête ou c'est à côté de la plaque, donc c'est que je suis con, forcément. Alors que je réfléchis à tout le temps plein de trucs, et je me pose mille et mille questions. Et je suis retombé, donc j'écoutais France Inter, l'émission du Point Carré, je crois que c'est ça, en revenant du travail. Et c'est vrai que je suis tombé là-dessus, sur ce truc-là, où il parlait de ça. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais regarder. Et j'ai feuilleté. Donc j'étais toujours avec mon ex à ce moment-là. J'ai feuilleté, j'ai regardé. Puis je me suis dit, non, c'est pas moi. Il a fallu, quelques mois pour que je me dise, bon, en fait, c'est peut-être moi. Et en commençant avec ma psy aussi. Et pendant ce dialogue-là, j'ai fini par me dire, bon, à un moment... Mon père m'en avait déjà parlé du fait que j'étais peut-être surdoué aussi. Je me suis dit, bon, peut-être écouter les gens et puis voir. Du coup, j'en ai parlé à ma psy, elle m'a dit, j'attendais que vous le disiez. Et là, j'étais, oh là là, c'est incroyable. Du coup, on est beaucoup plus orienté là-dessus. J'ai fini par passer un test de QI avec du coup un débrief psychologique derrière, donc avec une personne spécialisée là-dedans. Alors le diagnostic n'est pas forcément
très concluant parce qu'il est assez épars du fait que il y avait le stress, il y avait le fait qu'il y avait du bruit autour, donc du coup les résultats se correspondent pas forcément, enfin l'écart entre les différentes calculs de mentalité sont, oh, je sais plus comment dire ça. Bah, en gros, je sais qu'il y a différents volets dans le test. Il y a un aspect intelligence du langage, intelligence mathématique, se repérer dans l'espace. Et il y a un volet émotionnel plus genre, il n'y a pas de mauvaise réponse, quoi. C'est plus de la créativité et de l'émotion. Donc tu peux être très bon dans un truc et pas si bon dans l'autre. Et au final, t'as pas forcément 100 partout et t'as 400 de QI, quoi. Ou là, je pense que ta vie est compliquée. Okay. Et du coup, il peut y avoir, oui, des points forts et des points faibles, quoi. Ouais, et du coup, dans les volets les plus importants, on va dire, j'étais très bon là-dedans. Donc du coup, ce qu'on concluait, c'était que je suis quelqu'un au potentiel, même si mon QI ne le montre pas, parce qu'il est un peu... Enfin, là, il était impossible à calculer. Aujourd'hui, peut-être que si je le refais, il sera peut-être un peu mieux, mais bon, bref. C'est pas vraiment le chiffre qui m'intéressait. Moi, c'était de savoir si c'était bon ou pas. Donc j'en ai pas discuté forcément avec ma psy, parce qu'entre-temps, j'ai parlé d'autres choses. Mais c'est vrai que déjà, ça me fait du bien, parce que j'ai commencé à lire beaucoup plus de bouquins, je me suis autorisé à lire des bouquins là-dessus. Est-ce que tu as des recommandations pour des jeunes jeunes arrivants dans le monde des œuvres? Tout jeune. Si tu as des questions là-dessus, va lire le bouquin « Je suis un zèbre ». Je ne sais plus la fille qui l'a écrit. Le lien sera dans la description. Voilà. C'est une autobiographie d'une jeune fille qui raconte ses années, où je me suis retrouvé là-dedans, et c'est la première fois où j'ai commencé à écrire dans un bouquin en disant ça m'est arrivé, ça je l'ai ressenti comme ça, putain c'est pareil pour moi. Et ce bouquin, je l'ai filé à mon père. Je sais pas trop ce qu'il en a fait, enfin je lui ai demandé de le lire, je sais pas ce qu'il en a fait, mais voilà. Et c'est vrai que après ce test là m'a permis de le montrer un peu à tout le monde. Mes amis m'ont demandé à le voir, j'aurais demandé s'ils voulaient le voir, ils m'ont j'ai reçu plein d'adresses mail d'un coup. Ils m'ont dit vas-y balance, on regarde. Et j'ai envoyé à ma mère, à mon frère, à ma sœur, et tout le monde l'a lu. C'est cool. Voilà, même mon père, mais pas ma belle-mère, parce que bon, voilà. Oui, j'ai pas l'impression que vous soyez très proches. Est-ce que tu penses que c'est différent d'être un garçon zèbre et d'être une fille zèbre? Pas, enfin, soit dans la façon dont toi tu le vis, soit dans la façon dont le monde le perçoit. Je pense que pour un garçon c'est plus compliqué, parce que il y a généralement la part de l'hypersensibilité qui prend la part, et de l'hypermaturité, où en fait ça correspond pas trop au gars. D'avoir un enfant qui est très mature, à un âge très avancé, ça fait bizarre. Chez les garçons, ça peut être bien. Chez les filles, dans notre monde, très cher monde patriarcal, ça fait bizarre de voir une fille qui a la jugeote. Et même si aujourd'hui moins, mais bon voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus, je pense, ce côté émotionnel qui chez les garçons est beaucoup plus vissé, alors que chez une fille, bon, on va dire c'est une pleurnicheuse, elle nous saoule, elle arrête pas de pleurer tout le temps pour rien, mais on va prendre ça en compte, alors que chez un gars, on va dire non, tu peux pas, okay. C'est impossible. Et voilà, je pense que c'est un peu la seule différence qu'il y a entre tout ça. Après, ouais, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment différent de chaque enfant, de chaque vécu, même de base, on n'a pas tous la même façon, même si on a une façon de penser différente des gens, une pensée en arborescence, c'est vraiment beaucoup plus au vécu, quoi. On est tous différents à la base. C'est cool que tu sois venu maintenant, parce que tu es vraiment à un moment charnière de ta vie où tu viens d'avoir ce diagnostic il y a quelques mois, tu as fini ta première relation longue, tu vas partir de France et de ton milieu pro pour aller faire un truc qui correspond peut-être plus à ce que t'aimes vraiment. T'aimerais devenir quel genre d'homme? Genre dans 10 ans, tu te vois comment? Comment je me vois? Moi, je me vois pas, mais je vois ce qu'il y a autour de moi. Ok, il y a quoi autour de toi? Autour de moi, il y a 3 ou 4 hectares de forêt, il y a un jardin deux fois plus grand que celui que j'ai, il y a une maison en pierre refaite avec d'un côté une partie en bois à paille, enfin vraiment beaucoup plus un truc respectueux, et j'ai juste envie d'avoir un endroit où, je vais pas dire où je refasse un peu la vie, mais où j'ai planté dans le jardin des essences d'arbres que j'adore, où j'ai fait vraiment un jardin génial. Je pense que je serais vraiment quelqu'un
qui serait plus dans la partie respect de soi, respect des autres, respect de l'environnement. Et je sais pas, je me vois, je crois que je me vois beaucoup papa, à donner des connaissances à mes enfants, à jouer avec eux, leur faire découvrir, essayer enfin, de les rendre le plus heureux possible, quoi. Cool. Voilà. Ok, je vais te poser ma dernière question. Oui. Je sais pas si t'as pris le temps d'y réfléchir, du coup. Quel homme réel ou fictif tu considères comme un modèle de masculinité positive? J'y réfléchis. Beaucoup. C'est pas si simple, hein. C'est pas si simple, parce que j'hésite entre certains. Je pense que le principal, celui qui m'a accompagné le plus longtemps, c'est... Alors, c'est un personnage fictif et une personne réelle. C'est le youtubeur Bob Lennon, que j'ai découvert à 12-13 ans, qui, en fait, a une grosse voix énorme, qui parle... vachement, qui est hyper machin. Et en fait, j'ai vu son premier interview à 14-15 ans. Où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un mec d'1m85, frêle comme je sais pas quoi, avec à peine 70 kilos. C'est ridicule, mais un geek dans toute sa splendeur. Et c'est la personne où tu te dis pas du tout, ouais, je le verrais bien, je sais pas, patron d'une boîte ou un superbe animateur, un peu costaud et tout ça. Et pas du tout. Et c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce que il a une réflexion beaucoup plus intense et beaucoup plus intéressante que quand on voit ses interviews. Parce que c'est vrai que dans ses vidéos, il aime bien un peu trash talker. Mm-hmm. Il fait quoi? Il fait du jeu vidéo? Il fait du streaming? Il fait du jeu vidéo et un peu de streaming. Mais c'est vraiment quelqu'un qui fait vraiment ce qu'il aime, en fait. C'est quelqu'un qui est plus dans le... en fait, je m'en fous de ce que font les autres. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. C'est... je lance un live stream. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, m'en fous. Je recommencerai un autre et je ferai quelque chose. Voilà, je fais quelque chose qui me plaît. Et moi, ça m'a permis, parce que je me reconnaissais, j'étais quand même un enfant assez frêle. Même aujourd'hui, je suis 1m73 et 65 kilos. Je fais de l'athlétisme, mais je suis pas quelqu'un de super baraque et tout ça. Et pourtant, c'est, voilà, de voir quelqu'un qui est bien dans sa peau, ça m'a fait du bien. Et vraiment, c'est quelqu'un de très bienveillant. Dans ses interviews... qu'on voit de Polymanga et tout ça, c'est il est, mais pff, je m'en fous. En fait, je m'en fous de ce que t'es, de ce que t'es machin. C'est tu m'aimes bien, tu viens me faire un câlin, et puis voilà, on prend une photo, je te fais une dédicace, et puis hop, je passe au prochain gamin parce que je suis content de vous voir, et voilà. Il dit même, parfois, il aime beaucoup rigoler et passer tout à l'ironie, c'est que, par exemple, il dit, mais t'es handicapé, profite, tu passes devant tout le monde, tu grilles tout le monde, hop, t'es le premier, puis tu passes au suivant, quoi, trop cool. Est-ce que tu l'as déjà rencontré, toi? Non, mais j'aurais bien aimé. Alors, maintenant que je vais partir au Québec, je sais pas si... C'est un peu loin, mais je sais pas. Peut-être s'il vient une convention au Québec. Je sais qu'il en a déjà fait une ou deux, mais jamais j'ai pris le temps de venir le voir. C'était très cool, je vais couper là, je ferai mon outro de mon côté. Est-ce que tu veux dire un dernier truc? Eh ben, c'était très sympa de faire ce podcast avec toi. Je suis très content d'avoir participé. Ça fait longtemps que je suis mademoiselle et je suis vraiment très très heureux d'avoir fait ça. Aussi. Merci beaucoup Mimi. Merci Thibaut. Bisous. Bisous. Tu l'as peut-être remarqué, cher auditeur, chère auditrice, j'ai dû couper un poil court à cette fin de discussion avec Thibaut, car j'étais en retard. Et oui, j'étais en retard, pourquoi? Pour parler de masculinité, encore et toujours, puisque c'est le jour où j'ai enregistré une interview de 9 minutes sans cut avec Benjamin Nevers, de la chaîne Vous êtes vraiment sympa, qui m'a demandé de lui causer de The Boys Club et de mon rapport à la masculinité. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver cette interview dans la description. Mais je voulais surtout dire un énorme merci à Thibaut d'être venu se livrer. C'est un des premiers anonymes qui passe dans le Boys Club, et c'est toujours un plaisir d'entendre des voix et des histoires un peu différentes. Donc merci à lui et bonne continuation au Québec. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'être fidèle au poste. Je ne peux que te conseiller et te demander chaleureusement, si tu aimes le Boys Club, de lui donner une note avec des étoiles sur iTunes et d'en faire la promotion autour de toi grâce à la magie du bouche à oreille. Comme ça, il y a de plus en plus de gens qui écouteront ce podcast et le monde sera plus doux. Un grand merci aussi à Louise qui s'est chargée du montage de cet épisode car c'est la meilleure meuf. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau The Boys Club. Et en attendant, passe un bel été, porte-toi bien. Bisous!